Hey Matelot, ici Defro pour aujourd'hui vous montrer une construction, une création plutôt de Craftronics qui est actuellement sur Planète Minecraft et dont je vous incite à aller voir son truc parce que c'est juste ça. Alors c'est un petit peu buggé visiblement en solo parce que sur sa vidéo qu'il avait montré, ça marchait super bien. Il y avait même de la fumée qui sortait ici en ligne droite, et c'est un ventilateur en fait sur Minecraft. C'est un vrai ventilateur qui fonctionne un peu comme pour le piano que je vous avais montré l'autre coup. Et voilà, donc c'est encore un truc qui se fait grâce au porte, pas au porte-manteau mais au porte-armure là qu'il y a sur Minecraft. Hop, alors hop, et il arrive à faire ce genre de truc. Alors moi je suis toujours admiratif parce que j'arrive jamais à comprendre comment ils ont fait ça. Alors là je vois qu'il y a des monstres, et en fait c'est normal hein, que les monstres soient activés, parce que vous allez voir que lorsqu'on fait spawner des trucs, hop, vous, ils sont éjectés super loin. Pareil pour l'araignée hein. à cause du machin, vous, à cause du vent en fait. Et même s'il n'y a plus les espèces de petites fumées qu'il y a normalement, je vous invite à aller voir comment il a fait ça le mec. Parce que franchement, c'est franchement pas. Alors, du coup, je lui avais demandé si on pouvait télécharger la map, parce qu'il ne l'avait pas mis à la base. Et en fait, du coup, on peut voir qu'il a tout mis, tous les commandes blocs à ce niveau-là. Hein. Comme vous voyez, il y en a plein, plein, plein le long du truc. Hop. Et ça marche plutôt bien. Alors, du coup, comme vous le voyez, il y a une hélice qui n'est pas dans l'axe. Normalement, elle est censée l'être. Ah bon, voilà quoi. Et non, enfin voilà, c'est franchement quelque chose d'assez intéressant. Donc vous voyez, il y a des blocs de redstone qui apparaissent au fur et à mesure. J'imagine pour faire tourner le truc. C'est assez. Alors je suis pas bon en commande bloc, donc c'est pas moi qui vais vous dire comment ça se fait. Mais vous voyez là, par exemple, particule cloud. Ça veut dire qu'il faut que j'active les particules sur mon jeu, j'imagine. Où est-ce qu'on voit les particules? Particule all, ça doit être ça. Ah voilà, bah vous voyez. Maintenant on voit tous les particules de fumée qui font des trucs un peu bizarres. Mais ça marche vachement bien, hein, comme vous pouvez le voir. Enfin voilà, c'était histoire de vous montrer ça. Vous avez le lien de téléchargement dans la description de la vidéo. Vous avez le lien pour aller vers son Planète Minecraft, hein, pour le coup. Voilà, pour expliquer, enfin pour voir comment ça fonctionne ce truc, si jamais il y en a certains. Oula, ma souris qui fait n'importe quoi. Qui seraient intéressés par ce genre de choses, et c'est vrai que c'est plutôt agréable. Au même titre que le TARDIS qu'on avait vu l'autre coup, et le piano, hein, le fameux. Enfin voilà, donc c'est vraiment une curiosité sympathique. Allez voir, merci beaucoup Craftronics pour cette construction, et je vous redirige donc dans la description vers son Planète Minecraft. Bon jeu à tous, bon vent Matelot, c'est le cas de le dire, et à la prochaine.